Hey, salut les tarophiles! Une petite vidéo très très courte, juste histoire de donner quelques news. Voilà, donc des infos un peu en vrac très rapidement. Déjà, une première bonne nouvelle, je ne l'avais pas annoncé encore sur YouTube, je l'avais annoncé sur Facebook, mais je n'avais pas, j'avais pas pris le temps de faire une vidéo. Le site de la Taropie est ouvert et disponible, et donc dessus vous allez pouvoir retrouver et bah, du coup toutes les informations concernant la Taropie, sa définition, comment on consulte, à quoi ça sert, et puis bah, évidemment la liste des praticiens certifiés ou en cours de certification, puisque prochainement les certifications auront lieu, ce qui me permet de rebondir sur un point suivant. Voilà, dans pas très longtemps, les élèves de cette année, de 2018-2019, passeront leur certification, voilà, pour pouvoir attester de leurs compétences en taropie. Et à ce sujet-là, eh bien, je vais faire venir des cobayes, il va m'en falloir pas mal. Et donc sur Paris et Marseille. Donc à ce moment-là, je mettrai un petit mot sur le site de Taropie, donc n'hésitez pas à vous tenir au courant sur le site et à passer de temps à autre pour voir un petit peu lorsque la chose se déclare, parce que j'aurai besoin de monde, voilà, pour venir bah, assister les praticiens, pour faire en sorte de jouer en quelque sorte les clients, voilà, pour les voir en action. Donc ce sera sur Paris et sur Marseille, ce sera certainement au cours du mois d'octobre-novembre. Ce sera pas la même date évidemment pour les deux, parce que j'ai besoin d'être aux deux, donc je ne peux pas être aux deux en même temps évidemment. Et puis donc vous allez sur le site de Taropie, donc vous aurez toutes les informations. Et puis il y a un blog sur le site sur lequel apparaîtront prochainement des articles écrits soit par moi, soit par les autres praticiens. Et à ce sujet-là, j'annonce également que en réalité il y a quelques semaines, deux des taropeutes de l'équipe ont participé à un événement rue de la Paix à Paris, qui était en fait un vernissage de mode d'une collection qui avait été créée sur le thème du tarot. Et donc deux des praticiennes en réalité, deux taropeutesses étaient présents à cet événement, voilà, pour la marque Borami Viguier. Et en fait, aujourd'hui et demain, ces deux taropeutes, également deux autres taropeutes, également, donc quatre en tout de l'équipe, sont présents à un nouvel événement qui est le Free Market de Paname. Donc n'hésitez pas à aller leur rendre visite, voilà, et à pouvoir les consulter directement sur place par des petites micro-consultations. C'est toujours très sympa pour faire connaissance. Donc voilà, toutes les nouvelles. Et alors, évidemment, un point supplémentaire, et je termine pas ça parce que c'est le plus intéressant. À partir de septembre, la formation se tiendra à Bordeaux, mais également la session parisienne réouvre ses portes quand même, alors que j'avais dit je me repose et je ne fais que Bordeaux. Eh ben non, c'est pas vrai. J'avais pas prévu, mais comme il y a eu de la demande, donc ça sera Paris et Bordeaux. Donc n'hésitez pas, pour les Parisiens, pour ceux qui sont intéressés à venir s'inscrire. Donc ben voilà, simplement aller sur le site, que ce soit à la Taropie ou que ce soit sur kevinmeunier.com, vous retrouverez toutes les informations de la formation Tarologie Humaniste / Taropie. Voilà, donc n'hésitez pas à me retrouver, donc pour une formation de 10 mois à nouveau, donc septembre à juin. Et puis comme ça, vous pourrez vous également à votre tour pouvoir passer la certification l'année suivante. Et puis pour ceux qui vont s'inscrire là, certains d'entre vous vont déjà faire la connaissance de certains des taropeutes formés cette année et qui reviendront donc du coup sur ce nouveau cursus, parce que certains d'entre eux vont se former à nouveau pour perfectionner leurs outils, mais aussi et surtout pour pouvoir se former, pour pouvoir ensuite enseigner quelques-uns des modules que je propose, parce que là pour l'instant il y a 10 modules. Plus tard la chose va grandir et va encore se densifier, et des personnes qui ont été formées une première fois peuvent revenir en auditeur libre pour participer au nouveau module. Et comme le programme va s'étoffer un peu et qu'a priori d'ici 1 ou 2 ans le programme passera de 10 à 13 modules normalement, a priori 12 ou 13, si je ne fais pas d'erreur. Voilà, donc vous rencontrerez les futurs professeurs qui seront là et qui se formeront à nouveau à ces modules-là. Donc voilà, donc je vous retrouve en tout cas très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis bah, pour ceux que je retrouverai en formation, rendez-vous en septembre à Bordeaux et à Paris. Je vous embrasse, mouah, bien bien fort, un milliard de fois. Prenez bien soin de vous, et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut!